Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xel, Uji et Ni. On est contre Steamer, Upper Mage, Xelor et on a une cote de 4214. Bah, c'est parti, hein. Hop. Steam, Upper, Xelor. Ouais. Toujours un peu embêté par les uppers de poux, hein, donc j'aime pas trop le gameplay. J'espère que c'est pas ça. Sinon, ça devrait aller. J'ai hâte de voir l'initiative d'Exelor, j'espère que je joue après lui. Ce serait... ça m'arrangerait. Eh non, je joue juste avant lui, dommage. Alors, Pritek, précision du bwork sur l'Upper Mage. Sinon, Phalanster sur le Steamer. Des ébènes un peu partout, ok. Alors la bonne nouvelle, c'est que a priori l'upper n'est pas de pouf, sinon il ne jouerait pas en précision du bork. Il n'aurait pas ce genre de stuff. Je peux faire ça. Hop. 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 Et hop, ok, c'était peut-être pas ouf, étant donné que le Xel joue après, il peut le ramener en fait. Ouais, bon après ça lui prendra des PA, on va dire, ce sera toujours ça de prix. Effectivement. Ouais, bon, c'était peut-être pas... c'était peut-être pas incroyable en fait, comme T1. Ouais, j'ai joué contre des gens avant, qu'il y avait une compo de poux sympa. On discutera peut-être après, ils sont manifestement sur Julith, hein, s'ils peuvent me MP comme ça. Ok, le Xel, ok, qui m'isole, bah c'est plutôt bien joué de sa part ça. Au final, c'est un peu moi qui me fais saucer là. Bon bah du coup, on va y aller sur le steamer, hein. Hop. Tac, viens par là, toi. Double héros, comme ça, si il va sur mon Xel, Lenny pourra au moins taper le steam. Ce sera déjà ça de pris. Pour l'instant, j'ai pas pris d'érosion sur le Xelor, donc ça devrait aller. J'ai choisi de rentrer un peu dans le tas comme un bourrin, j'étais pas obligé de faire ça. J'aurais pu me poser un peu plus, mais... Bon, je pense que dans tous les cas, on peut faire ça ou prendre un tour pour se booster et poser son jeu. Je pense que ça n'avantage pas plus une compo que l'autre. Il m'a mis en pesanteur. Ah oui, d'accord, ça joue comme ça. Ça peut être embêtant. On va voir. On va mettre ça là. Je peux lâcher un petit coup de cac sur le Steam si je veux. On va faire ça en vrai. Mettre un peu de pression. Mais je suis un peu inquiet pour mon Xel qui du coup va pas pouvoir revenir. Il a l'air d'avoir des gros dégâts sur l'upper. Hein. L'upper qui joue terre. Bon par contre il n'y a pas beaucoup d'esquive. On va du coup miser là-dessus. Hein. Ah, ça va être infernal. La bonne nouvelle c'est que je suis pas taclé. On va partir là-dessus direct. Hop, on va faire un sablier en zone. Comme ça, en plus, je me buff. Je vais y aller à fond sur le steamer. Tac. Tac. Il me faudrait un contre, ce serait pas mal. Après, il peut toujours me debuff, hein, malheureusement. J'espère que comme ça c'est à peu près ok. Bon, j'ai mis du retrait sur le upper, j'ai mon contre. Est-ce que ça va vraiment me sauver pour autant? Va pouvoir me replacer, m'isoler. Ah bah non, je suis encore en pesanteur en fait, donc il peut pas me ramener en arrière. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que moi je peux m'attirer? Là je peux faire des trucs là, ouais. Il faut surtout pas que je meure en fait, hein, c'est le plus important. Ce que je peux faire c'est ça. Et garder 3 PA pour... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux faire... Dépeçage. Carcasse. Libé. Épistage. Voilà. Comme ça, 8 PA.
Sur la peur. Je me sens désavantagé de pas avoir les familles légendaires, ça me fait un peu bader, mais bon. J'espère juste qu'il va pas me ramener à l'autre bout du monde avec un sort chelou. Et le Zeparmage, à mes yeux, c'est de la magie, hein. C'est littéralement. J'ai aucune idée de ce que c'est, hein. Ça fait des trucs bizarres. Ah, ok. Bon, là, j'ai le contre. Ça me tape, il m'a toujours pas érodé, hein. Bon, ça fait hyper mal, hein, l'Zeparmage, très clairement. Mais, ok. Bah, écoutez, moi, je peux faire un sacrificiel. Non, attendez, lui, il me saoule. Je peux faire sacrificiel. Solidarité. Je peux. Allez, je prends mon stack ébène mêlée comme ça. Et je vais le pousser. Je vais venir ici. Alors, je pourrais aller claquer. Ouais, je vais faire ça. Je vais claquer l'ébène sur le Steam. Et mettre un mode régène sur le Xel. Je pense que ça devrait suffire à me mettre safe. Voilà, avec le Lapinou qui joue derrière. Et là, comme ça, le Steamer il prend les triples ébènes déjà. Il peut encore mettre des dégâts, mais. Bon, il va falloir que je vais full roll l'upper, hein, je pense. C'est l'air d'être le plus gros Roxor en face. Si je peux placer le Steam pour que je les rox, après il y a le Xel qui joue derrière. Peut-être que je vais me concentrer sur uniquement full roll l'upper mage. Il a l'air d'être un peu décontenancé en face. Il se barre. Chalutier. Rizlam, ok. Ok, plutôt bien vu ça. Bah écoutez les amis, moi ce que je vais faire déjà, ça va être un cadran ici. Ça va être éventuellement un paradoxe. Ah, ça peut être stylé ça, parce que je peux faire ça. Je peux faire ça et ça. Et j'ai rien dit, en fait j'ai plus les PA pour le paradoxe. C'est un fail, hein, littéralement. J'avais un plan qui était bien, c'était de faire un paradoxe pour refaire un téléfrag, mais je pensais que c'était 2 PA le paradoxe, en fait c'est 3 PA. Du coup je suis un peu dans la sauce en fait. Le Xel 15 PA, le Brizlan me fout un peu au fond. J'aurais peut-être dû mettre plus de soins sur le Xelor après la réflexion. Bon, le Parmage a pris un sacré retrait, mais qu'en fait, comme je l'ai fait horloge, il a perdu le téléfrag et le cadran là, lui a pas mis de retrait. C'était pas optimal mon tour, je pensais vraiment pouvoir faire un téléfrag en fait. Je voulais faire un paradoxe et mettre une pétrif aussi sur le steamer, mais bah ça s'est pas passé comme je voulais. Hein. Bon, il est feu a priori, mais j'ai pas trop de soucis avec ces dégâts là. Ça me va. Je pense que ce que je vais faire en vrai, c'est tout simplement le steam. Il est plus héros. Je peux faire ça. Juste les roues à distance en fait. Hein. Voilà, comme ça j'ai pas trop de soucis avec le. Je vais venir le tacler lui. Comme ça j'ai pas de problème avec le brise-lame. L'upper est taclé. En plus ça lui fait du coup des dommages distance, ce qui est peut-être pas opti pour son mode avec la précision du bourque. Il faudra vraiment que je chope des familiers légendaires les amis, ça va être important. Je vois que je pensais que c'était vraiment que peu de gens en avaient. En fait on n'est pas à une cote très haute, on est à 4200 et il y a déjà plein de familiers légendaires partout. Va falloir aller tryhard ça. Il a érodé mon Ouji, c'est un peu bizarre. Alors moi je peux soit aller tabasser le Steam. Je sais pas ce que je lui mets comme dégâts. C'est pas impossible que je le fume en fait. Hein. J'ai envie de tester le full burst. On a qu'une vie les amis. Si je sors un petit crit là. Je crois qu'il y a encore 3 ébènes dessus. Hein. Est-ce qu'il tombe? J'avais mis 3 ébènes. Hein. Et ça passe. Ok. Les ébènes, c'est un peu trop fort, je trouve. Hein. Bon, un tout petit peu trop fort. Mais bon, ok. Ok. On va mettre la petite synchro par là. On va mettre la petite gélure. Il faut vraiment que je m'entraîne à jouer au raccourci. Hein. Ça, je l'avais déjà dit. La petite gélure. Tac. 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 Je voulais opter mon tour pour garder, voilà, être en état 5 et avoir l'ébène au cac. Enfin, je devais lui mettre l'ébène là, et j'ai pas eu le temps. J'ai voulu optimiser le truc dans ma tête pour que ce soit
l'ébène haut qu'il prenne, et je me suis chié. Mais c'était parfait dans ma tête. Là, je voulais lui mettre un coup de cac, en fait, avec le Xel, ou un rouage. Non, j'avais 3 PA pour un rouage, c'était parfait. Et bah, j'ai pas eu le temps de faire mon tour. Bon, c'est pas grave, je pense que ça va pas me faire perdre, mais normalement, il y avait un ébène haut placé sur l'upper, qui aurait dû être plutôt stylé. Et là, du coup, ça me fout un peu au fond. Du coup, j'ai pas aussi le retrait que je lui ai placé. C'est compliqué, là, hein. On va faire ça. On va faire ça. Il me faut un molosse. Oh, si je perds à cause de ça, les amis, j'ai un seum, mais immonde. Il va me falloir un polage protecteur. Je peux faire comme ça. Comme ça. Oh, je pourrais même pas me polage protecteur, bah, si je veux faire ça quand même, mais. Tu sais qu'il peut me le déloc comme il veut, lui. Peut-être que là, c'est un peu relou pour lui. Bon, il a que 5 PA, normalement je survis, mais. Il aurait dû avoir un ébène haut, ce petit upper mage. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'items légendaires, de familles légendaires, de trucs comme ça, dans tous les sens, d'effets déclenchés, ça devient un peu illisible, je trouve, le colis. Je pense que c'est une question d'habitude aussi, c'est que là, moi, j'ai beaucoup de choses à intégrer d'un coup, ça me fait un peu bizarre. Ok, donc il m'enlève mes boucliers, mais heureusement qu'il a pris du retrait. Bon, là, je vais clairement y aller comme ça. Hop. On va lui mettre bouclier. J'aurais pu au petit ébène, mais. Tant pis. De toute façon, j'aurai l'ébène au prochain tour, donc au final, ça change pas grand-chose. J'ai été bête là, j'aurais pu me placer pour ramener l'upper facilement. Là, je suis ébène 5, du coup, aussi. Je vais faire ça comme ça. Là, en faisant la frappe ici. Je garde mon ébène d'actif. La petite pétrif. Je pense que je vais mettre ça aussi tant qu'à faire. Hop. Je vais venir prendre mon émeraude. Le Xel 12 PA. Bon, il y a un retrait sympa qui est passé sur l'upper. Bon, je pense que ça devrait aller, mais je suis un peu déçu quand même pour le tour Xel que j'ai pas fini tout à l'heure. Là, ça m'aurait fait un PA de plus aussi si j'avais fait le rouage et j'aurais pu mettre un sablier de Xel en plus. Ça aurait été pas mal. J'ai pris une sale héros quand même sur le Jinak là. Hein. On m'avait parlé des Xel feu one shot, mais bon. Oh, mais non, sérieusement, je crève là. Oh, les amis, je vais perdre à cause de ça. Vraiment? Bon, est-ce qu'il serait. Bon, il serait pas mort avec un événement en plus, mais. Bon, je pense que je m'en sors, mais ça fout les boules, hein. Je crois que c'est assez compliqué du coup. Est-ce qu'il me tacle, le Xel, il me tacle, ouais. Les amis, je vais perdre, MDR. Ça va pas du tout, ça. Là, je suis un peu dans la sauce, moi. Il m'emmerde le chef. C'est relou. Eux, ils ont de l'héros en plus, moi j'en ai pas. Bah, on va y aller sur le Xel, hein, mais ça fait chier. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je mets le corrompu sur l'ivoire, ça me saoule. Je voulais taper l'upper. J'ai juste pas pu. Je l'aurais pas là. Hein. On va tester quand même, mais. Je le ramène où là? Je le ramène là. Ça fait un peu chier quand même. Les debuffs. Je sens que je vais perdre à cause du misplay avec le Xel, ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou, les amis. J'ai peur pour mon Xelor là.
Bon, après, il n'y a que 5 PA sur l'upper, mais... Il aurait peut-être fallu un contre. Hein. Surtout qu'il pète pas mon cadran, en fait. Il joue combien de fois par tour, lui? Ah, ça, c'est les retours spontanés, ça. Ça fait... Putain, je prends la sauce que je prends. What? Bon, l'upper 5 PA, il commence à être bien affaibli. Il va falloir vraiment que j'arrive à le finir. Bon, je pense que ça va passer quand même, hein, mais... Je vous avouerai que pour le moral, de perdre pour un tour pas fini, ça fout le seum quand même. Là, est-ce qu'il peut se faire encore des boucliers, du soin, je sais pas trop. 480 boucliers. Je pense que je me l'ai fait, hein, mais... Il va se planquer, il a bien raison, mais... C'est un peu relou. Après là j'ai mes deux persos qui jouent hein, concrètement. Ce qu'on va faire ça va être Galva. On va venir chercher ça comme ça. Et là je peux aller prendre la ligne de vue sur lui si je veux. En vrai c'est même pas dit que ça se passe bien. Hein. Donc Zell il est un peu in the sauce. Hein. Je peux faire tac, tac. Ah, ok, c'est bon. Je peux faire une frappe de Xel. Il tombe. Je peux faire une pétrif, comme ça Lenny prend le buff. En fait, la frappe de Xel n'était pas spécialement utile, mais... Ouh, j'ai failli perdre à cause de ça, ça me reste saoulé. Bon là normalement je suis tranquille. Hein. Je pense pas qu'il me termine. Et à partir de là, tout va bien. C'est vrai que ça met quand même des gros dégâts et ça fait des gros tours, l'économie de PA elle est assez ouf. Il va me finir en fait. 5 PA. Pourquoi il gagne encore des PA comme ça? Mais sérieusement. C'est un peu fort quand même. Hein. Là je trouve que c'est un peu abusé pour le coup. J'ai tendance à trouver ça un peu abusé, les amis. Bah, c'est juste parti, en fait, hein, mais... Bon, je pense que je devrais pouvoir me le faire en 1v1. Il a deux ébènes de Calais. Je suis full PV. Après, s'il veut que je le touche pas, hein, c'est ça, c'est un peu le problème. On va voir. Ok, non, ça va, il s'approche, il joue pas cancer. Il va me mettre son ébène. Flou, des dégâts. Est-ce qu'il me tacle? Je crois qu'il me tacle, lui, hein, ouais. 109 de tacle, c'est pas mal, hein. Mais là, je vais pouvoir le finir. Hein. Je peux faire... Je réfléchis, je peux faire Flamish. Double sélectif. Ok, bah putain, ça a été chaud quand même. Hein. GG, bon jeu. Et le petit kill foudroiement, les amis, hein, quel plaisir. Bon, ça va, je m'en sors, mais c'était chaud quand même. Hein. C'était un peu chaud, mais bon, c'est pas grave, on continue à progresser. On a vu un gameplay plutôt quand même sympathique en face. L'upper qui ne jouait pas, pas de pouce, ça fait du bien. C'était upper terre, hein, ça me plaît de voir ce genre de choses. Bon. Oh, c'était un peu tendax hein, quand même. 4227 de cote. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je lis vos commentaires, j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.